Cher public présent en direct sur Zoom, cher public qui nous regardera plus tard, j'ai le plaisir de vous recevoir pour la troisième séance du séminaire « Lire les grands textes, cycle l'image ». Donc vous pouvez trouver les captations des séances précédentes sur l'image dans l'imaginaire de Sartre, sur l'image dans « Mind the Body » de Frédéric de Vignemont, ainsi que les communications lors de la journée d'études sur l'image du corps en médecine. Tout cela, vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube de la chaire de philosophie à l'hôpital. Donc, je vous rappelle que pour le public qui suit en direct, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat, y compris pendant l'exposé de Raphaël Erzam. Et à la fin de la conférence de notre invité, soit vous pourrez prendre la parole pour lui poser directement les questions, soit si vous le souhaitez, si vous avez écrit la question, ce sera moi qui la verbaliserai et qui l'adresserai à Raphaël comme venant de vous. Je vous rappelle que le travail qu'on produit ici, un lundi soir par mois, il est là pour vous, il est là pour vos questions, pour vos recherches, etc. Donc aujourd'hui, je reçois Raphaël Erzam, qui est maître de conférence à la Sorbonne Université, donc en philosophie. Donc Raphaël, ta thèse portait sur le langage chez Kant. Récemment, tes recherches t'ont mené aux philosophies féministes et à la phénoménologie française, et non plus uniquement allemande, même si je ne sais pas si tu travaillais uniquement en phénoménologie allemande auparavant. Et notamment dans les rapports de la phénoménologie avec la psychanalyse. Donc, j'espère que tu me diras un mot de ce qui fait fil rouge dans ce parcours philosophique, peut-être à la fin de l'histoire ou pendant, comme tu le sens. En tout cas, d'après ce que je viens d'indiquer, il y a une vraie cohérence à ce que ce soit toi qui fasse cette proposition de nous introduire ici à « Peau noire, masque blanc » de Frantz Fanon. Peut-être plus encore dans la mesure où il s'agit de proposer une communication sur peau noire, masque blanc qui interroge philosophiquement la question de l'image. De fait, ce séminaire est un séminaire qui présente de grandes œuvres philosophiques en pensant la question de l'image et, quand et si cela s'y prête, de l'image du corps. J'y insiste, notamment parce qu'il y a beaucoup de lectures possibles en fait de peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon est un ouvrage qui se situe au moins entre psychanalyse et approche du côté de la psychopathologie psychanalytique et philosophie. Mais à vrai dire, c'est aussi une œuvre qui peut être lue comme une autobiographie militante, et qui peut aussi se donner dans sa valeur poétique. Donc l'attraper par la philosophie et dans la philosophie, et en tant que la psychanalyse peut être saisie et pensée philosophiquement, c'est un choix, c'est un type de lecture, et c'est le type de lecture qu'on propose ici. Avant de donner la parole à Raphaël Erzam, qui nous présente donc la question de l'image dans Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, donc quelques mots d'introduction à cette œuvre en tant qu'elle nous intéresse dans le cadre de ce séminaire. Donc dans le cadre de ce séminaire, on peut dégager au moins, trois aspects. Donc, Peau noire, masque blanc ouvre à ce qui constitue une sorte de deuxième volet du cycle L'image du séminaire, où nous étudions donc des œuvres dans ce deuxième volet qui ne vont pas tomber de façon tout à fait strictement évidente dans la catégorie philosophie, mais c'est des œuvres dont on peut faire une lecture tout à fait philosophique. Donc on va avoir ici Peau noire, masque blanc, et ensuite on aura une séance sur l'image chez Lacan, puis chez Lyotard. Donc voyons, on décale sur quelque chose qui n'est plus aussi strictement philosophique, classé dans les bibliothèques orient philosophie, que Sartre ou que Mind the Body de Frédéric de Vignemont. Le travail de Frantz Fanon est une interrogation de la question raciale en tant que le racisme colonial est internalisé par la personne noire, ce qui est pensé depuis la psychanalyse, mais aussi depuis l'existentialisme et à partir d'une lecture de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Donc la présentation de Raphaël Erzam sera l'occasion de voir comment les questions de l'image et de l'image du corps s'articulent à un lieu théorique qui emprunte au moins à ces deux courants. Alors deuxièmement, par rapport à la situation de ce texte dans le séminaire, Peau noire, masque blanc examine l'image en tant que celle-ci est déjà lourde, lourde d'un discours, de signification, d'une histoire et du regard de l'autre. Donc c'est un point de vue différent sur l'image qui nous est donné, un point de vue qui intègre une épaisseur de l'image, épaisseur donc des regards et épaisseur de l'autre. C'est une lecture de l'image de soi et de l'image du corps comme modifiée par le regard de l'autre, ce qui est quelque chose que nous n'avons pas eu l'occasion d'explorer, en tout cas pas dans cette ampleur, jusqu'à présent, dans le séminaire. Et enfin, troisièmement, Fanon ne laisse pas de doute quant à la place que prend la couleur de la peau. Et donc, dans cette mesure, on trouve ici une proposition autour de l'image qui ne manque pas de penser l'image stricto sensu,
c'est-à-dire vraiment l'image au sens visuel, pas comme terme utilisé de manière générale pour désigner tout type de représentation, mais vraiment dans l'apparence du visuel, du visible, de la perception visible et de l'image, donc qui n'est pas une perception, mais qui emprunte aux caractéristiques sensibles du visible. Là-dessus, Raphaël, je te laisse nous présenter la question de l'image dans Peau noire, masque blanc de François. Merci beaucoup, Charlotte. Ben, d'abord, en fait, je tiens à te remercier pour ton invitation et dire que je suis ravi d'avoir cette occasion, en fait, de faire cette présentation, de réfléchir, en fait, avec vous toutes et tous à l'image dans ce texte. Alors, est-ce que déjà c'est bon pour le son, simplement vérifier techniquement que ça passe bien? Moi, je t'entends très bien. Est-ce que quelqu'un du public peut nous dire ce qu'il en est? Ok. Donc, c'est parfait. Bon, alors, en fait, comme tu l'as déjà bien expliqué, exposé, en fait, la question de l'image traverse la totalité de Peau noire, masque blanc. On pourrait dire que c'est un texte qui, dans sa quasi-totalité, en fait, aborde ce thème, à la fois la question de l'image du corps et la perception de soi et de l'autre que cela engage, mais aussi un autre sens de l'image qui est en fait la représentation imaginaire ou en fait la représentation qui peut être verbalisée, qui peut être décrite de soi et de l'autre. Simplement, Fanon souhaite soutenir que l'image que l'on peut avoir de soi, cette expression même, l'image que l'on peut avoir de soi, est par trop générale. En fait, souvent, dans le contexte de l'ontologie phénoménologique d'un Sartre, dans le contexte de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, eh bien, ce sont des descriptions anthropologiques à prétention universalisante qui sont parfois produites pour suggérer ce que pourraient être les mécanismes de la formation de l'image du corps, les mécanismes en fait qui font que l'on parvient à avoir de soi-même une certaine perception unifiée, un sentiment en fait de sa corporéité. Eh bien, Fanon entend montrer que on ne peut pas assimiler toutes les situations, considérer en fait que toutes les formes de perception de soi ou de formation d'une image de soi répondent aux mêmes contraintes, dépendent des mêmes facteurs et incarnent de ce fait une sorte d'universel anthropologique hein, qu'il n'y aurait qu'à particulariser, au fond en l'appliquant avec de menues variations aux situations réelles. Ce qui intéresse Fanon, c'est d'essayer de comprendre en quoi, alors ici, mais je pense qu'il accepterait de le faire varier pour d'autres situations, puisqu'il en évoque d'autres, en quoi, eh bien, dans une société raciste, une société en fait qui est traversée au plan économique et social par des inégalités structurelles, des discriminations et des préjugés, eh bien, l'image de soi, l'image de son corps que peut avoir une personne blanche, une personne noire, une femme noire, un homme noir, une femme blanche, un homme blanc, en fait, peuvent dépendre de facteurs qui renvoient à ce qu'il appelle la structure d'une société, une structure effectivement qui est à la fois matérielle, on le verra, et structure qui est aussi idéologique et culturel. Donc en fait, ce que cherche à étudier Fanon, c'est la manière dont le rapport social, économique entre noir et blanc, alors en l'occurrence chez lui particulièrement dans la société française, dans les Antilles, en métropole, eh bien, commande à la fois certaines formes qu'il dit aliénés
ou troublé en fait de la perception du corps, et comment en fait essayer de comprendre ces événements, comprendre ces phénomènes, eh bien engage aussi à parfois réviser non seulement d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue psychothérapeutique, psychologique, psychanalytique, la manière de décrire l'image du corps, de la comprendre, mais cela engage aussi à des perspectives d'action, des perspectives thérapeutiques et de transformation en fait, de la situation pour accompagner ce que la philosophie, la psychologie peuvent comprendre et peuvent faire. Alors, le texte de Frantz Fanon est organisé en fait d'une manière qui mêle les strates de discours, c'est-à-dire qu'on y rencontre des moments d'analyse philosophique, particulièrement en fait en dialogue avec Hegel, avec la phénoménologie, avec la pensée de Karl Jaspers et d'autres, des moments en fait les strates de discours se font plus psychiatriques, psychanalytiques ou psychologiques. D'ailleurs, Fanon choisit le terme de psychologie pour justement signaler qu'il ne souhaite pas s'engager trop avant par rapport au partage possible que l'on pourrait faire entre psychiatrie, psychanalyse, etc., psychothérapie. Donc, il choisit parfois de parler de psychologie dans un sens englobant. D'autres moments, en fait, sont des moments d'analyse politique et certains moments sont autobiographiques. Donc, cette coexistence des strates du discours, en fait, se marque dans tous les chapitres, chacun étant concentré sur un thème particulier, par exemple, le rapport des personnes noires antillaises au langage, les rapports de désir et les rapports en fait, de relations intimes et sexuelles ou amoureuses qui peuvent s'établir entre personnes noires et personnes blanches. Toujours là encore, pas dans l'absolu, mais dans le contexte spécifique qui l'intéresse. Plus loin encore, les analyses possibles des rêves, la compréhension en fait, de troubles, de complexes, de symptômes en fait, spécifiques. Et pour finir, un chapitre central est consacré aussi à la critique d'un ouvrage d'Octave Manoni, consacré en fait à une approche psychanalytique, psychologique de la colonisation. Donc, Fanon donc expose et démonte. Et le chapitre final est consacré à une discussion de la dialectique de la reconnaissance hegélienne, pour essayer de voir en quoi à la fois elle fournit un certain schème, un certain modèle pour comprendre les rapports entre blanc et noir dans une société raciste, et à la fois en quoi le schème en question peut s'avérer lacunaire, peut en fait aussi produire des effets de mécompréhension quant au rapport entre blanc et noir. Alors il se trouve que je ne compte pas aborder absolument la totalité de l'ouvrage hein, qui est trop riche, je vais plutôt procéder en suivant en fait le thème de ce cycle de conférences et en partant en fait pour l'aborder de la manière dont Fanon esquisse la situation en fait des rapports entre blanc et noir. Alors il se trouve que quand Fanon écrit, donc on est au tout début des années 50, hein, l'ouvrage est paru en 1952. Fanon considère que c'est à la fois le préjugé de race et l'existence en fait, dans une société de ce qu'il appelle à la huitième page de camp, hein, le camp blanc et le camp noir, qui va en fait précipiter, organiser des formations d'images de soi, de l'autre. Il considère qu'en fait, l'existence des inégalités, des discriminations aboutit à un phénomène central hein, qui est que d'un côté, les Blancs ont tendance à s'identifier justement par différence, en repoussant par l'imaginaire ou en fait par les actes
les corps noirs loin d'eux, tandis que eh bien, l'existence de privilèges possédés par les Blancs a pour effet, je cite la page 9, que généralement, selon lui, le noir veut être blanc. Alors, ce désir n'est pas un désir authentique, en quelque sorte, c'est-à-dire que ce qui est désiré, c'est plutôt, au fond, l'égalité de conditions, l'égalité de considération, l'égalité économique, la possession en fait de privilèges semblables, au fond l'abolition des privilèges. Mais cela peut se traduire pour Fanon dans des formations psychiques particulières qui affectent la perception du corps. Fanon esquisse dans l'introduction générale de l'ouvrage une description psychologique où il considère que en raison des rapports réels entre blanc et noir, donc rapports là encore, hein, qui ne sont pas des rapports anhistoriques, en fait ce sont des rapports matériels et des rapports qui sont commandés par la diffusion des préjugés racistes, et bien d'un côté, le blanc se rapporte à lui-même, donc c'est Fanon qui dit le blanc, hein. Il entend aussi bien les hommes blancs que les femmes blanches. Le blanc, donc dit Fanon, est enfermé dans sa blancheur, c'est-à-dire qu'il a une image de lui-même qui n'est pas simplement une image individuelle, une image de soi donc, qui est relative au corps propre, donc qui serait relative par exemple au genre. Le blanc, en fait, a une image de lui-même qui peut être médiatisée en fait, par le statut social de sa blancheur, tandis que le noir, pour Fanon, eh bien, est enfermé socialement dans sa noirceur, ce qui produit à ses yeux un phénomène de double narcissisme, page 10, qui est en fait un certain cercle vicieux qui va de pair chez les Blancs avec un sentiment plus ou moins conscient de supériorité et avec aussi un qui va de pair également avec soit des complexe d'infériorité, on verra la difficulté et toutes les précautions en fait, qu'il va falloir prendre pour employer cette expression, parce qu'en fait, Fanon la prend à Adler, mais il s'apprête aussi à critiquer en fait, hein, certains usages de cette expression. Aussi, donc, ça va de pair avec des désirs, au fond, d'affirmation, parfois de revanche, de démonstration en fait, de puissance ou de dignité. Fanon cite donc toujours dans cette introduction de l'ouvrage un extrait de l'ouvrage de Naville intitulé Psychologie, marxisme et matérialisme qui fixe le programme de son étude au plan méthodologique ou en tout cas qui en donne une expression emblématique. Je lis, ce sont les conditions économiques et sociales des luttes. Alors pour Naville, ce sont surtout les luttes de classe, mais pour Fanon, ce sont plus généralement les différentes luttes possibles. Donc ce sont les conditions économiques et sociales des luttes qui expliquent et déterminent les conditions réelles dans lesquelles s'exprime la sexualité individuelle et le contenu des rêves d'un être. Tout cela dépend, en fin de compte, des conditions générales dans lesquelles les individus vivent. Donc Fanon considère qu'on ne peut pas, en général, interroger l'image de soi, l'image de son corps, sans la rapporter aux conditions économiques et sociales, aux luttes, en fait, qui sont plus ou moins sourdes ou plus ou moins ouvertes dans une société, et en fait aux conditions générales matérielles d'une société. Alors la manière dont je vais procéder pour essayer de l'exposer, c'est que je vais commencer par vous proposer une petite traversée des différents cas de formation psychique que Fanon décrit. Alors Fanon se concentre principalement sur les personnes noires,
Mais enfin, il se trouve qu'il signale, hein, dès le début de l'ouvrage, en employant cette expression de narcissisme blanc, hein, qu'au fond, il y aurait lieu de développer de façon probablement parallèle et connectée, en fait, une revue aussi des formations psychiques qui sont caractéristiques, en fait, de l'existence sociale des Blancs. Et d'ailleurs, il évoque à certains moments dans l'ouvrage aussi ce que peut être la phobie que certains enfants ou alors en fait certains adultes peuvent avoir vis-à-vis des personnes noires. Bon, on va voir que ce sur quoi je vais me concentrer en suivant Fanon, c'est plutôt les formations psychiques qui sont caractéristiques de l'image de soi ou de l'image du corps des personnes noires. Dans un deuxième temps, en fait, je vais me concentrer sur les causes que Fanon identifie et qui sont en fait productrices de ces formations psychiques. Dans un troisième temps, je vais essayer de faire ressortir les réflexions sur la psychologie que cela commande, c'est-à-dire la manière dont Fanon invite à une transformation de la manière dont on peut pratiquer la psychologie, et ce faisant, bon, la psychanalyse, la psychiatrie, etc. Mais enfin, je dirais, le plus souvent, je parlais de psychologie. Ainsi, il arrive que Fanon glisse d'un terme à l'autre. Et pour finir, j'esquisserai aussi une revue des perspectives en fait, de solutions que Fanon propose, à la fois, disons, des solutions psychologiques pour essayer de transformer la manière dont les individus peuvent, noirs ou blancs, peuvent vivre et former une image de soi, une image de leur propre corps. Mais aussi, au fond, on va voir que ce sont des solutions qui ne sont pas limitées souvent au strict cadre du travail psychologique, du travail analytique, par exemple. Donc, Raphaël, avant que tu entres dans le corps de ton exposé, il arrive que le son tremble brièvement. Je pense qu'on a loupé un ou deux mots, hein, on a réussi à comprendre l'ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux y faire? Ça doit être un quelque chose du côté du réseau, de la connexion. Alors, pour ce qui est de mon... Là, ça tremble par exemple en ce moment tout de suite. Malheureusement, c'est ma box. Par contre, pour la captation de micro, voilà, c'est ce que je peux faire de mieux. Sinon, au pire, je peux peut-être essayer de mettre des écouteurs pour qu'il y ait captation par un micro aussi. J'en sais rien. Et sinon, comme ça, je coupe s'il y a un problème à nouveau. Bon, bah, tu n'hésiteras pas à me dire s'il y a la moindre difficulté. D'accord. Donc, alors, pour ce qui est en fait des phénomènes que Fanon aborde en fait tout au long de l'ouvrage, en fait, on peut dire que le phénomène le plus central, peut-être celui auquel il consacre vraiment le plus d'analyse, c'est le fait qu'il repère à plusieurs reprises chez des personnes noires le désir d'être blanc, voire en fait des rêves ou des manières de parler de soi où ce désir en fait se manifeste très littéralement. Alors, il évoque par exemple dans les premiers chapitres de l'ouvrage un livre de l'écrivaine donc et autrice martiniquaise Mayotte Capessia, hein, qui compte par exemple avoir éprouvé comme impossible le fait d'imaginer Dieu sous les traits d'une personne noire, ou en fait avoir rêvé elle-même devenir blanche, être blanche. Il se trouve que plusieurs patients auxquels Fanon a eu affaire directement lui ont aussi conté de tels rêves, soit des rêves, disons des désirs éveillés, soit tout simplement en fait des rêves nocturnes. Et
Fanon évoque également donc, des formes de prise de parole où, lorsqu'était posée la question en fait, à des enfants martiniquais sur la manière dont ils pouvaient s'imaginer au retour des vacances, ils disaient, ben voilà, ils se décrivaient en disant qu'ils s'imaginaient avec les joues roses, par exemple, des descriptions en fait, de soi physique qui, disons, manifestent à ses yeux plutôt une représentation de soi où il y aurait un phénomène de blanchiment. Fanon dit parfois de lactification, donc en référence à la couleur du lait. Voilà, donc ça c'est le premier phénomène central. Le deuxième phénomène que Fanon aborde frontalement, c'est ce qu'il appelle la difficulté d'élaborer pour les personnes noires un schéma corporel. Alors ici, il faut en fait faire un bref détour par Merleau-Ponty. Donc Fanon connaissait hein, directement et donc il a lu les ouvrages pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Donc en fait, dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, qui était paru donc 7 ans avant Peau noire, masque blanc, Merleau-Ponty soutient que chaque individu humain en fait connaît la position de chacun de ses membres. En fait, leur capacité d'action immédiate, enfin, un certain nombre de leurs capacités d'action. Et c'est ça ce qu'il appelle avoir un schéma corporel. Je cite en fait la phénoménologie de la perception. Merleau-Ponty dit que mon corps m'apparaît comme une posture en vue d'une certaine tâche actuelle ou possible. Au fond, nous aurions une perception de notre propre corps en fonction de certaines dynamiques, une perception spatiale de notre corps qui n'est pas simplement une spatialité de position, mais une spatialité de situation en fonction de ce que l'on peut faire ou pas, de ce que l'on s'apprête à faire, de ce que l'on a à faire, etc. Et il se trouve que pour Merleau-Ponty, c'est donc la motricité qui est, disons, la sphère dans laquelle s'élabore la conscience de soi et la conscience du corps. C'est en tant que notre corps est agissant par rapport aux autres, par rapport à des objets techniques, et bien que il est vécu et qu'il est éventuellement représenté. C'est-à-dire que si l'on essayait de décrire eh bien, ce qu'est notre corps pour nous-mêmes, bien souvent on pourrait dire voilà, on peut décrire ses mains, ses jambes, sa tête, son cou, ses yeux par rapport en fait, à des actions possibles. Fanon soutient que, donc c'est page 108 de l'ouvrage, je cite, que dans le monde blanc, dans une société raciste, inégalitaire, donc à majorité blanche, eh bien, je cite toujours, l'homme de couleur rencontre des difficultés dans l'élaboration de son schéma corporel. Je poursuis, il dit que la connaissance du corps est alors, donc pour l'homme de couleur, une activité uniquement négatrice, comme une connaissance en troisième personne, tout autour du corps règne une atmosphère d'incertitude. Alors, il se trouve que à ce moment-là, Fanon prend le soin de livrer une description phénoménologique de style merleau-pontien pour dire qu'en fait, voilà, si jamais on veut fumer, par exemple, eh bien voilà, on peut dire qu'on voit les cigarettes, qu'on voit en fait la manière dont on peut s'approcher d'elles, les gestes qu'on pourrait avoir, et que normalement, la construction du moi, la construction du moi en tant que corps, au sein d'une telle situation, au sein d'un monde spatial et temporel,
La réponse simplement à ce que l'on peut faire. Et c'est au fond un rapport à soi qui n'est pas nécessairement médiatisé par un autre regard, une autre présence. Bon. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est frappant chez Merleau-Ponty dans la théorie du schéma corporel, par contraste peut-être avec ce que dit Sartre hein, dans L'être et le néant, c'est que tandis que chez Sartre, eh bien, la conscience de soi et la conscience du corps impliquent parfois la médiation du regard d'autrui, chez Merleau-Ponty, hein, la conscience en fait, du corps propre et l'image que l'on en forme dépend avant tout de la conscience de la motricité, hein, la conscience de ce que l'on peut faire. Or, pour Fanon, dans Le Monde Blanc, eh bien, la construction du moi comme corps hein, peut être perturbée, contrecarrée, en quelque sorte, par le sentiment d'être regardé, mais pas simplement regardé par quelqu'un d'autre, hein, j'y reviendrai, d'être regardé et considéré, en fait, par principalement des regards blancs hein, qui peuvent en fait plaquer des stéréotypes ou simplement attendre des comportements typiques ou qui pourraient en fait intervenir avec des réflexions désobligeantes, etc., etc. Donc, alors ici, il me semble que on peut faire un parallèle intéressant entre la réflexion de Fanon et en fait celle de Du Bois, donc en fait qui est aussi un auteur et philosophe essayiste politique donc noir américain du début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, qui justement explique la manière dont l'expérience de soi et l'image de son propre corps, qui au départ était en quelque sorte en première personne, en fait se déplace au moment en fait de la rencontre d'une première expérience raciste pour devenir ce qu'il appelle une sorte de conscience dédoublée. Je vais simplement vous lire un petit passage de Du Bois. Donc il est tout à fait d'ailleurs possible hein, qu'il ait influencé Fanon hein, pour cette discussion de Merleau-Ponty, peut que ce soit à l'arrière-plan. Donc en fait c'est au début de l'ouvrage qui s'appelle « Les âmes du peuple noir ». Voilà, voilà ce que raconte Du Bois. Donc, un moment de son enfance. Donc, je sauterai quelques passages, je lirai en sautant quelques passages. Être un problème est une expérience étrange. C'est très tôt, dans les premiers jours d'une enfance à la gaieté exubérante, que j'en ai eu la révélation fulgurante. Pour ainsi dire, d'un seul coup. Nous nous amusions bien avec des amis jusqu'au moment où une grande fille, une nouvelle venue, refusa dans un magasin ma carte, péremptoirement avec un regard par en dessous. Alors il m'est apparu avec une soudaine certitude que j'étais différent des autres, ou comme eux peut-être dans mon cœur, dans ma vie et dans mes désirs, mais coupé de leur monde par un immense voile. Par la suite, je n'eus plus aucune envie de déchirer ce voile ou me glisser au travers. J'enveloppais tout ce qui était derrière lui d'un même mépris et je vivais au-dessus de lui, dans une région de ciel bleu où de grandes ombres vagabondent. Voilà ce qu'il dit encore. Après l'Égyptien et l'Indien, le Grec et le Romain, le Toton et le Mongol, le Noir était une sorte de septième fils, né avec un voile et doué de double vue, dans ce monde américain, un monde qui ne lui concède aucune vraie conscience de soi, mais qui, au contraire, ne le laisse s'appréhender qu'à travers la révélation de l'autre monde. C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée, ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double, un Américain, un Noir, deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables, deux idéaux en guerre dans un seul corps noir, que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. À partir de là, on peut revenir
à la description que propose Fanon de l'éclatement de l'expérience du schéma corporel, justement en raison de l'omniprésence des regards blancs, hein, qui sont l'équivalent dans son récit, dans la description de sa scène, hein, de le regard en fait de cette femme qui intervient auprès de Du Bois pour refuser une carte et pour jeter un regard soupçonneux. Alors Fanon ici fait très très directement référence à la manière dont son corps lui revient, comme si son corps dans un premier temps lui appartenait, comme s'il en était dépossédé, comme s'il lui revenait en fait altéré. Je cite page 111. Mon corps me revenait étalé, disjoint, rétamé, tout endeuillé dans ce jour blanc d'hiver. Et là, à ce moment-là, il cite dans son livre en fait les réflexions entendues parfois de la part de femmes, d'enfants, de personnes en fait qu'il rencontre. Donc c'est le noir est une bête, le noir est mauvais, le noir est méchant, le noir est laid. Tiens, un noir, il fait froid. Le noir tremble, etc. Le simple fait d'être désigné, au fond, en permanence, en référence à son corps, ce sentiment d'être objet, effectivement, de curiosité, de regard, de mépris, de peur, etc., tout cela, en fait, produit une forme de dépossession de son corps, et donc, qui permet de revenir sur le fait que il affirme donc que la connaissance du corps propre devient une activité négatrice, c'est-à-dire où le sentiment de soi, l'image de soi originaire, en fait, est battue en brèche par la connaissance en troisième personne. Alors, qu'est-ce que c'est une connaissance en troisième personne? C'est en fait une connaissance par le détour d'un autre point de vue, un point de vue en fait extérieur et étranger, sauf qu'en fait, ici, ce n'est pas une connaissance en troisième personne quelconque. Au fond, c'est celle qui est imprégnée de racisme. Alors, donc là, on a deux expériences typiques, j'en ai en évoqué encore quelques-unes. Fanon évoque le sentiment possible, alors pas évidemment nécessaire, de la laideur, en fait de s'éprouver comme ayant un corps laid, ou éventuellement d'ailleurs le sentiment opposé de s'éprouver comme beau, mais en fonction d'une image stéréotypée, la laideur ou la beauté pouvant être dans les deux cas en fait commandée par des stéréotypes racistes. Donc là aussi, c'est dans les mêmes pages, page 111-112, où en fait Fanon demande, mais qui me dira du coup ce qu'est exactement la beauté? En fait, il évoque dans d'autres passages le fait que la représentation en fait, des personnes noires avec une insistance sur le corps, où le corps est associé à la dangerosité, parfois à la force, à la puissance physique ou à la puissance sexuelle, peut avoir en fait, pour effet de se percevoir soi-même comme beau, mais via une adhérence en fait, à ces stéréotypes, ou au contraire se percevoir comme laid, parce que là encore, l'image de la peau et l'image du corps en fait, est captée par des représentations étrangères. Une quatrième expérience en fait, précipitant une certaine formation de l'image du corps tient au fait d'être perçu suivant des rôles socio-professionnels ou en fait des statuts qui sont associés dans une société raciste aux personnes noires. Fanon raconte par exemple, c'est page 136, comment se rendant au cinéma, il éprouvait lui-même la crainte d'être perçu comme un groom, comme un ouvreur, en raison en fait d'un rôle là aussi d'un rôle social qui était
surtout aux États-Unis, mais aussi, voilà, qui a été longtemps réservé aux personnes noires. Et donc, la crainte de se retrouver soudain comme porteur d'une livrée. Alors, le terme de livrée, hein, renvoie en fait à la tenue des valets. Et donc, Fanon dit que percevoir simplement son corps, c'est le percevoir comme presque constamment le support d'une livrée, ou en tout cas pouvant tout d'un coup devenir comme redoublé par une livrée dans une situation où pour être associé à un stéréotype. D'où encore un rapport à son corps propre, donc spécifique, selon lui, qui est le fait de vouloir ou de désirer vivre caché et d'évoluer en fait dans l'espace collectif en essayant parfois de peut-être vouloir se faire discret, désirer passer inaperçu. Ce désir en fait dépendant au final avant tout aussi du désir de ne plus être en but aux stéréotypes, aux rappels à l'ordre ou au dénigrement et aux insultes. Alors, je cite l'ouvrage, lui dit qu'en fait, il en était venu lui-même à s'acheminer dans la rue par reptation, se sentant en fait en permanence trahi par son corps en fait, qui l'offrait aux yeux des autres. Il dit, voilà, j'aspire à l'anonymat, à l'oubli. Tenez, j'accepte tout, mais que l'on ne m'aperçoive plus. Ce désir en fait d'anonymat bien peut aller de pair encore avec d'autres vécus corporels spécifiques, comme le fait de se sentir en permanence sur ses gardes, de se sentir alerte, ou encore un sentiment d'amputation, sentiment en fait d'être privé au fond de ce que le corps propre eh bien, engage selon ses propres volontés, ses propres intentions, d'être amputé en fait d'une part de soi. Ou encore, dernier exemple, dernier cas remarquable, en fait, Fanon évoque des dispositifs d'autosurveillance et la crainte en fait en parlant de prononcer par son élocution en fait des mots d'une manière stéréotypée et la crainte en fait de correspondre, alors cette fois-ci pas une image corporelle, mais en fait même si on peut dire le langage est aussi du domaine du corporel, mais en tout cas pas du domaine du visuel, de correspondre à une image représentation stéréotypée. Donc en fait je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est dans le deuxième chapitre de l'ouvrage, hein, où il est question du langage, et où Fanon explique qu'en arrivant en métropole, en fait, un désir qui lui a appartenu, mais qui lui semble être commun, effectivement, avec beaucoup d'autres jeunes Antillais, était en fait d'adopter un langage qui ne le démarquerait pas, hein, qui ne manifesterait pas un décalage et un clivage. Et alors, il rattache aussi ce point en fait que eh bien le fait de désigner des manières de formuler ou de parler différentes eh bien, appartient aux manières aussi d'altériser les personnes noires en métropole. Et donc, en fait, il évoque parfois des lapsus où, justement, eh bien, à force de vouloir surtout ne pas correspondre aux stéréotypes, eh bien, des R peuvent se mettre à rouler. Bon, donc en fait, il y a dans cet exemple un phénomène de aussi crainte de soi, alors qui n'est pas en fait une crainte directe, mais la crainte en fait de prêter le flanc au fond à la réduction aux stéréotypes. Et donc en fait, le corps propre, cette fois-ci c'est le corps en fait parlant, hein,
devient un corps qui est aussi redouté, qui est craint, qui est surveillé. Voilà. Alors, à partir de là, je vais en venir un petit peu davantage à l'ensemble des causes hein, de ces phénomènes psychiques ou comportementaux variés. Donc, pour certains, j'en ai déjà donné une certaine idée. Mais enfin, voilà, il se trouve que Padon produit une description approfondie de ce qu'il appelle le préjugé de couleur. Alors, en fait, ce préjugé dit que ce n'est pas simplement, au fond, une sorte d'idée erronée qui frapperait les personnes noires dans une société raciste. C'est, au fond, véritablement un phénomène de mépris, voire de haine, et qui est mis en œuvre par les personnes appartenant à des peuples riches. En fait, les Blancs se signalent effectivement par leur richesse, par aussi bien leur force militaire, force économique, force militaire. Et donc, en fait, être en but aux préjugés de couleur, c'est en fait se sentir méprisé et haï. On voit que cette cause lui paraît immédiatement déterminante du vécu, en fait, du corps et de cette déstabilisation du schéma corporel. Je cite page 109, où donc Fanon affirme qu'il existe au-dessous du schéma corporel un schéma historico-racial. Et Fanon, en fait, prend le contre-pied de Jean Lhermitte. Jean Lhermitte, en fait, qui était l'auteur au début du XXe siècle, donc en 1929, d'un ouvrage qui s'appelle « L'image de notre corps ». Et alors que Jean Lhermitte considérait que l'image du corps provient avant tout de la proprioception, c'est-à-dire en fait des sensations directes que l'on peut avoir de soi, notamment des sensations tactiles, des perceptions kinesthésiques, c'est-à-dire la sensation de nos propres mouvements, ou encore en fait des perceptions d'ordre visuel, par exemple par le biais des miroirs, etc. Eh bien, Fanon considère qu'en fait c'est la schématisation donc historico-sociale et raciale du corps noir ou du corps blanc qui produit des organisations de schémas corporels variés. De sorte que le schéma corporel n'est pas simplement quelque chose qui découle au fond de la physiologie du corps ou en fait de sa facticité immédiate. Alors, l'existence dans un certain contexte de stéréotypes influe sur le corps, agit en fait sur le corps et sa perception parce que l'individu, par exemple une personne noire individuelle, ne se perçoit plus simplement donc comme soi, mais comme associé en fait au groupe qui se trouve racisé dans son ensemble. Fanon dit avoir éprouvé lui-même ne plus se sentir simplement être son corps, mais s'être éprouvé comme responsable de son corps et à travers lui responsable de sa race, de ses ancêtres. Je cite la page 110. Je promenais sur moi un regard soudain objectif, découvris ma noirceur, mes caractères ethniques, et alors me défoncèrent le tympan, l'anthropophagie, l'arriération mentale, le fétichisme, l'état racial, les négriers, et surtout, Yabombania. Et à ce moment-là, il explique que, eh bien, le fait de se sentir objet a été en quelque sorte quelque chose qui s'est fixé sur son corps, puisque c'était en fait par son corps et par donc sa couleur de peau qu'il était renvoyé en permanence à tous ces terribles stéréotypes. Fanon essaye de montrer comment la construction de soi
qui est présentée souvent donc, dans des récits psychanalytiques ou en phénoménologie, comme la construction d'un moi physiologique, hein, d'un moi corps, eh bien, se trouve soit perturbée, soit tout simplement empêchée par le fait que une personne noire dans un contexte raciste a assumé le fait que le corps n'est pas simplement un moi physiologique et qu'il y a toujours des suppléments, au fond, qui s'y surajoutent. Il y a toujours des interpellations, des rappels. Et donc là, je vous renvoie à ce chapitre central hein, qui s'appelle « L'expérience vécue du noir », chapitre 5 de l'ouvrage, où, qui est peut-être un des, disons, avec le premier sur le langage, un des plus autobiographiques. Hein, dans le chapitre sur le langage, Fanon raconte l'arrivée en métropole, le fait de débarquer, le fait de s'embarquer en fait, pour quitter les Antilles, etc. Et là, en fait, c'est plutôt le récit de la transformation de l'expérience vécue au contact d'une rencontre majorée du racisme. Donc, Fanon met l'accent sur le fait qu'une des premières expériences, qui l'ont frappé, c'est l'expérience de la peur que les autres pouvaient avoir de lui. Le fait d'être, le fait de rencontrer des enfants qui disaient « j'ai peur, maman, j'ai peur ». Donc, en fait, à côté de cette expérience de peur, il y a aussi l'expérience de tout d'un coup se trouver associé à des récits, à des légendes. Et donc, il se trouve que le schéma corporel se trouve attaqué, selon lui, par des discours. Là aussi, ce point est intéressant parce qu'il signifie que, en fait, l'image du corps et l'image de soi sont construites par des discours, soit des discours déposés, des discours ambiants, soit des discours directs, hein, comme dans le cas des prises de parole de rue. Je cite la page 110. « Mon schéma corporel, attaqué, s'écroula, cédant la place à un schéma épidermique racial. » Alors, la notion de schéma épidermique est intéressante parce qu'elle montre qu'à ce que l'image de soi, même si donc elle n'est pas nécessairement, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas assumée, c'est-à-dire que Fanon ne se reconnaît pas, bien sûr, dans les stéréotypes, mais en fait, l'image de soi qui lui arrive et à laquelle il a affaire, en fait, est une image qui est épidermique parce qu'en fait, elle adhère à sa peau, qui est le moyen en fait par lequel il se trouve reconnu, désigné et du coup aussi maltraité. Et donc il raconte que par exemple dans un train, il a fait de nouveau cette expérience de cette connaissance où son corps hein, lui apparaît tout d'un coup en troisième personne, etc. Tout simplement parce que on laissait des places autour de lui parce qu'en fait on voulait pas s'asseoir à côté de lui. Voilà. Et Fanon insiste cette fois-ci dans une description de nature assez phénoménologique sur le fait que cette reconsidération de soi, hein, cette manière de se rapporter à soi sous un jour nouveau par le biais de la pression en fait des stéréotypes externes, eh bien, elle n'est pas voulue, elle n'est pas maîtrisée. Hein. Il dit qu'en fait, c'est une sorte de nouvelle thématisation de soi, le vocabulaire est phénoménologique, c'est une nouvelle conscience de soi qui lui advient alors que lui voulait tout simplement être un homme parmi d'autres hommes. Et le récit en fait, de son désir perdu se fait à dessein en termes corporels. Je cite « J'aurais voulu arriver lisse et jeune dans un monde nôtre. » Et ensemble édifié. Alors, il se trouve que dans Peau noire, masque blanc, Fanon évoque des causes plus structurelles, plus larges, qui conduisent en fait à la formation de l'image de soi. Donc, il considère par exemple que le système économique et le système de discrimination n'est pas exactement le même en Europe et aux États-Unis. Que
En fait, je le cite, en Amérique du Sud en particulier, bien, les personnes noires se trouvent fouettées dans les rues, elles se trouvent, on mitraille les grévistes noirs. Il dit que pour lui, en France, en fait, c'est plus que l'expérience plus déterminante et le sentiment d'être tout simplement méprisé ou craint plutôt que effectivement directement ou en permanence attaqué physiquement, menacé en fait dans sa vie. Et que dans le cadre français, eh bien, les significations, certaines significations sociales associées à la peau, eh bien, lui parviennent également par l'organisation coloniale d'une hiérarchie entre Arabes, Noirs, ou par le fait que eh bien, les populations qui sont en but aux préjugés racistes sont montées les unes contre les autres. Donc, il y a d'ailleurs de très belles pages hein, dans Peau noire, masque blanc, où Fanon explique en fait bien éprouver une très puissante solidarité en fait avec les Juifs et où, en fait il explique que l'antisémitisme et en fait le racisme négrophobe hein, vont de pair en fait ils procèdent de logiques qui sont solidaires. Et en même temps, bien, il expose la manière dont des conflits sont entretenus entre juifs arabes, entre juifs et noirs, en fait, par le racisme, pour que précisément ce ne soit pas le privilège blanc et la violence blanche qui se trouvent interrogés. Et que ça aussi est une des causes qui fait la difficulté, au fond, à se séparer de ce schéma épidermique racial. Alors, il se trouve que Fanon relève à cette occasion une spécificité de la situation des personnes noires, ou alors on pourrait dire plus généralement des personnes qui se trouvent racisées en référence à leur couleur de peau, c'est que eh bien il y a une impossibilité en tant que personne noire dans une société raciste de passer inaperçu. Alors, je veux dire, Fanon sait, parce qu'il le mentionne aussi à de nombreuses reprises, que les carnations des personnes noires, en fait, les carnations des personnes antillaises, en fait, peuvent être aussi très variées. Hein, et il n'ignorait pas hein, le phénomène du passing qui concernait en fait des descendants métis de femmes qui avaient été violentées par leur maître sous l'esclavage. C'est-à-dire le fait qu'il était possible hein, pour certaines personnes descendant directement d'anciens esclaves de se faire passer pour blanc ou blanche en fait en contexte américain de manière marginale. Il considère qu'en fait l'expérience qui est quand même la plus dominante pour les personnes noires, c'est de se sentir absolument surdéterminé de l'extérieur, parce que eh bien il est impossible d'échapper au regard en bon voilà, c'est-à-dire que de toute façon on se trouve ramené à cette image de soi qui passe en fait par la peau. On pourrait dire d'ailleurs que, par contraste, un des privilèges blancs que Fanon souligne dans Peau noire, masque blanc, c'est au contraire le fait de passer inaperçu, au fond, de ne pas être repéré, de ne pas être identifié, de ne pas susciter de réaction, en fait, simplement par sa présence charnelle. D'avoir au fond un épiderme qui paraît en quelque sorte neutre ou sans carnation, alors qu'évidemment ce n'est pas le cas. Donc il raconte que, en fait, quoi qu'il fît, je cite, hein, donc ma noirceur était là, dense, indiscutable, ou encore, je ne suis pas simplement l'esclave de l'idée que les autres ont de moi, hein, mais de mon apparaître. Son apparaître, en fait, qui lui revient quoi qu'il fasse. Bon. Fanon insiste sur le fait aussi, encore deux ou trois dernières causes, qu'il existe un système de rappel qui fait qu'en permanence, sa couleur lui revient, quelle que soit l'attitude des autres. Il évoque le fait que, bien même dans des cadres où en fait, on tenait à le valoriser ou en fait, à entrer en contact de manière positive avec lui, on rappelait généralement en fait, sa couleur. Bon, alors évidemment, ça c'est
enfin, disons quelque chose de talon signal pour montrer à quel point le racisme imprégné jusqu'au milieu progressiste, jusqu'au milieu en fait supposément bienveillant. Il dit qu'en gros, même dans la négrophilie en fait, ou même en fait chez les démocrates, il y avait quelque chose de raciste qui subsistait. Il mentionne par exemple le fait qu'on lui disait parfois qu'on l'aimait, mais malgré sa couleur, ou en fait qu'on le détestait, mais que ça n'avait absolument, ou qu'on lui en voulait, mais que ça n'avait rien à voir avec sa couleur. Il disait qu'en fait, il était prisonnier comme d'un cercle infernal en fait, de rappel permanent. On peut dire que à partir de là, on peut, disons, esquisser quelques conclusions au sujet de la manière dont Fanon met en rapport l'image du corps avec ce que Sartre appelle le pour autrui, le fait que le rapport à soi est commandé ou déterminé par le rapport à l'autre. Eh bien, il se trouve que Fanon salue Sartre en considérant que ses études sur le rapport à autrui, sur l'existence d'autrui, sont en fait très largement exactes. Et il considère que l'analyse sartrienne du regard est une analyse de la conscience aliénée. Donc effectivement, se trouver devant l'autre, être regardé par l'autre, c'est en quelque sorte s'échapper à soi, c'est une sorte d'évidement ontologique qui fait que, eh bien, jusqu'à son propre corps paraît effectivement ne plus appartenir au sujet, mais effectivement devenir ce qu'il est pour l'autre, devant les yeux de l'autre, que ce soit d'ailleurs dans des logiques de valorisation, des logiques au contraire de mépris. Et on sait que donc, Sartre insiste dans l'être et le néant sur la centralité de l'expérience de la honte. Et en fait, c'est dans la honte qu'on se découvre en face d'autrui, qu'on se découvre regardé par autrui. Simplement, Fanon se détache très nettement de Sartre, parce que pour Sartre, la honte est, on pourrait dire, purement et simplement le fait de se découvrir objet pour l'autre, mais objet quelconque. Sartre dit que c'est pas simplement le fait de se considérer comme un objet méprisable ou comme un objet dégradé qui fait que l'on se sent honteux devant l'autre, c'est le simple fait d'être regardé, et on pourrait dire, quelle que soit la nature du regard qui est posé par l'autre, autrui, sur soi. Ce qui fait par exemple que, je ne sais pas, il est possible d'éprouver la honte telle que Sartre la décrit, y compris, je ne sais pas, en étant, mettons, une star, quelqu'un en fait qui a une image publique, mais qui se sent néanmoins réifié, qui se sent en fait réduit à cette image publique, même si c'est une image qui peut être en fait valorisante. C'est le fait de se reconnaître en fait comme objet pour autrui qui est l'expérience de la honte. Et ce n'est pas en fait une expérience qui est nécessairement mais à privilégier celle de l'écrasement, du dénigrement, etc. Donc Fanon se sépare déjà une première fois de Sartre en considérant que la conscience de soi, la conscience du corps en fait, des personnes noires est une conscience qui n'est pas simplement rapport à un regard quelconque. Le fait de se sentir objet quelconque, c'est au fond le fait d'avoir affaire à un regard qui est négateur en un sens axiologique et pas négateur comme chez Sartre en un sens qui serait purement ontologique, c'est-à-dire en fait qui transforme le donné, c'est négateur en un sens axiologique, c'est le fait de se sentir dévalorisé. Et puis surtout, Fanon refuse l'idée que l'expérience de l'aliénation soit une sorte de constante anthropologique et qu'on se sente aliéné de la même manière suivant qu'on ait affaire simplement à un autre, quiconque en fait, qui nous regarde, nous considère et peut d'ailleurs nous caricaturer ou nous manquer ou effectivement projeter quelque chose sur nous. L'aliénation, ou en tout cas la violence spécifique qui est vécue par les personnes noires, a à voir avec en fait, la situation sociale et économique des Blancs. Je cite, il dit que le Blanc n'est pas seulement l'autre avec un grand A. C'est pas seulement l'autre. Il se trouve qu'en contexte américain, ça a été le maître.
et que il dit voilà, même en contexte antillais ou en contexte français, il y a un rapport à cette situation antérieure qui fait que c'était une terre d'esclavage où il y avait des maîtres, et donc l'autre, c'est aussi ben, le privilégié, c'est le possédant, c'est le puissant, etc. Et que cela change absolument la nature du rapport à autrui. Au fond, donc l'image que l'on peut avoir de son propre corps, alors là, comme personne noire, mais on pourrait dire, là, on voit que si un dialogue plus précis, c'est d'abord chez Fanon, c'est plutôt avec Beauvoir, donc, comme personne en fait opprimée ou comme personne en fait qui vit des inégalités structurelles. Bien, c'est en fait une image qui a des conditions matérielles d'existence. C'est le pouvoir aussi, en fait, l'existence de formes de pouvoir qui font l'image de soi et la perception de son propre corps. Ce n'est pas juste le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. À partir donc de cette étude donc des causes hein, qui déterminent donc les formations psychiques et le rapport au corps que Fanon met en avant, il me semble qu'on peut et on doit revenir sur les perspectives donc, cliniques, les perspectives aussi théoriques que Fanon ouvre pour donc, les disciplines que sont la psychologie, la psychanalyse. Et on peut revenir donc sur en particulier les discussions parfois très précises que Fanon accorde à des concepts, principalement d'ailleurs dans Peau dans le masque blanc, ceux qui sont issus de la psychanalyse. Alors, on avait évoqué en introduction le fait que Fanon emprunte à Adler la notion de complexe d'infériorité, enfin, en tout cas c'est à lui qu'il l'attribue principalement, c'est qu'elle circule de manière plus large hein, dans la littérature psychanalytique. En fait, il soutient que il y a un problème, une difficulté à parler même de complexe d'infériorité ou de sentiment d'infériorité à propos des personnes noires, on peut dire en fait des personnes qui se trouveraient en fait infériorisées ou opprimées dans une certaine situation. Et qu'en fait, il n'y a pas tant complexe d'infériorité que épidermisation d'une infériorité qui, avant d'être psychique, ou plutôt au lieu d'être psychique, est en fait économique et sociale. Je le cite, donc il dit, voilà, tous ces blancs réunis, alors là, c'est en référence au contexte de l'esclavage, le revolver au poing, ne peuvent pas avoir tort, je suis coupable, je ne sais pas de quoi, mais je sens que je suis un misérable. Dans ce passage où en fait il discute une pièce de Sartre qui s'appelle La putain respectueuse, et où en fait un personnage semble éprouver ce qui pourrait s'apparenter à un complexe d'infériorité, eh bien l'analyse de Fanon est de dire bah, en fait le vécu du personnage, c'est en fait un vécu qui dépend d'un rapport de pouvoir. C'est avant tout en fait la crainte des armes hein, qui fait que la personne se dit bon ben voilà, peut-être que j'ai tort, qu'il est difficile en fait de s'opposer, qu'il est difficile de s'affirmer ou de se reconnaître une valeur dans le contexte la plus respectueuse, même une dignité, c'est-à-dire qu'il y a une peur hein, du fait de critiquer, même se révolter. Donc sa conclusion, c'est que si on accepte de parler de complexe d'infériorité, mais il faudrait que ce soit avec des précautions, parce que en fait, il n'y a de complexe qu'à la suite d'un processus économique et par intériorisation en fait d'une situation économique. Et d'autre part, c'est parce que donc une inégalité réelle, donc qui n'a rien en fait simplement d'une sorte de névrose, hein, qui n'a rien disons d'un trouble psychique, eh bien une inégalité réelle se trouve épidermisée, c'est-à-dire rattachée à la peau, rattachée en fait à la perception du corps, et c'est ça qui est le phénomène en fait auquel on a véritablement affaire.
Alors, d'autre part, Fanon revient sur le statut de l'inconscient et de la théorie de l'inconscient dans un chapitre qui est c'est le chapitre le plus long de l'ouvrage. Et dans ce chapitre, Fanon s'explique avec donc la théorie freudienne et la théorie de Jung. Il considère que Freud a eu tout à fait raison de considérer que parfois des névroses ou en fait des troubles de la perception de soi ou des troubles du comportement peuvent intervenir à la suite de scènes cardinales en fait, qui ont marqué en fait, l'histoire du sujet et qui ont constitué autant de traumas. Donc en fait, Fanon tient à la théorie du trauma. Il considère que souvent, ici de Freud, il y a des Erlebnis, c'est-à-dire des vécus particuliers, des vécus déterminés à l'origine des névroses. Et Fanon, en revanche, émet un doute quant au fait que ces traumas et ces vécus existent toujours, disons, à l'état inconscient dans le psychisme individuel. Il va faire en fait deux types de critiques. Ici, disons, un dispositif freudien un peu qui serait standardisé. Déjà, il considère que parfois il existe des traumas qui s'inscrivent en fait dans une forme d'inconscient collectif. Et on va voir comment est-ce qu'il propose de penser ce qu'est l'inconscient collectif. Et d'autre part, il considère que parfois, en fait, les scènes décisives ou les traumas sont parfaitement rappelés. Donc, il peut y avoir en fait des troubles qui proviennent sans qu'il y ait refoulement, oubli, basculement dans l'inconscient en fait de la scène décisive. Donc c'est les deux réponses qu'il fait. Alors pour la première critique, il considère effectivement que c'est l'intérêt de la théorie jungienne que d'avoir proposé en fait la notion d'inconscient collectif en considérant qu'en fait les drames qui se produisent dans un contexte raciste, par exemple donc dans un contexte de colonisation, eh bien, ces drames vont concerner en fait, le sujet, même s'il n'est pas celui qui directement les a vécus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des drames ou en fait, des moments de violence qui ciblent une population donc, en fonction d'un critère qui fait que le sujet peut se reconnaître tout simplement comme membre de cette population. C'est en fait, voilà, une personne noire est frappée, une personne arabe en fait est agressée. Dans un contexte colonial, ça peut être une scène en fait décisive pour le sujet, même s'il ne l'a pas vécu directement, même si c'est lointain, même si c'est pas un récit. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas besoin d'être inscrit même dans la situation familiale. Donc là, c'est pour ça. Enfin, on dit qu'il y a quelque chose de collectif qui se produit et qui fait que la notion jungienne a un intérêt tout particulier. Sauf que Fanon se défie de la manière dont Jung lui-même a conçu l'inconscient collectif, puisque à ses yeux, eh bien, ce ne sont pas tant des constantes anthropologiques ou en fait des formations archaïques de l'humanité qui feraient l'inconscient collectif, ce sont bien plutôt des événements historiques ou en fait des structures socio-historiques ou encore des formations culturelles qui ont en fait un lieu d'existence bien précis. Alors je vous lis un passage, hein, c'est page 143. Donc si nous voulons analyser correctement ce qui se produit en fait pour les jeunes enfants noirs, nous sommes obligés de faire appel à la notion de catharsis collective. Dans toute société, dans toute collectivité, doit exister un canal, une porte de sortie par où les énergies accumulées sous forme d'agressivité puissent être libérées. C'est ce à quoi tendent les jeux dans les institutions d'enfants, les psychodrames dans les cures collectives, d'une façon plus générale, les hebdomadaires illustrés, etc. Voilà, c'est une série de cas. Et donc, considère que parfois, les rêves d'enfants, les jeux d'enfants en contexte colonial, ou alors en fait, là aussi, hein, la perception du corps peut tout simplement dépendre de ce qui s'est enraciné
dans une psychologie collective et que les comportements peuvent avoir en fait cette valeur en fait de catharsis collective ou d'expression de quelque chose qui est un problème en fait collectif. Là aussi, il se trouve que néanmoins, Fanon tient à faire droit, ce faisant, Fanon tient à faire droit à l'existence en fait de formation inconsciente. Il considère que pour les personnes noires antillaises, la formation inconsciente peut être la plus remarquable et la plus typique, c'est une identification dès l'enfance aux personnes blanches et qui dépend en fait de la manière dont se trouve organisée à la fois l'éducation et la diffusion de supports culturels. Il raconte que les hebdomadaires illustrés donc pour les jeunes présentaient avant tout des histoires de Tarzan, des histoires de Mickey et en fait des personnages principaux qui généralement étaient blancs. Il se trouve aussi que dans les récits qui sont pour les enfants des supports d'identification, souvent étaient présentés aussi des récits avec des explorateurs, des aventuriers, des missionnaires, etc. Sauf que Tarzan, c'est typiquement, effectivement, il possède lui-même d'ailleurs des esclaves et des serviteurs, même s'il est représenté comme bon, il est blanc, etc. Et c'est à lui que, il dit spontanément les petits-enfants, même noirs d'ailleurs, s'identifier. Cela est renforcé à ses yeux par une tendance aussi infantile à s'identifier avec les personnages centraux des histoires, ceux qui sont les vainqueurs, ceux qui sont en fait les plus puissants. De sorte que, je cite, aux Antilles, le jeune noir, qui d'ailleurs à l'école ne cesse de répéter nos pères les Gaulois, s'identifie à l'explorateur, au civilisateur, au blanc, qui apporterait la vérité aux sauvages, une vérité toute blanche. Donc il y aurait une identification en fait, dès l'enfance qui va précipiter un certain nombre des phénomènes qui ont été déjà présentés auparavant. Sur cette base, Fanon discute la théorie lacanienne du stade du miroir, qui est d'ailleurs un lieu central dans les théories de la formation de l'image du corps et de l'image de soi, puisqu'en fait, pour Lacan, voilà, je simplifie évidemment, ce qui m'intéresse c'est plus en fait la réponse de Fanon, c'est un stade central du développement du psychisme personnel que le fait d'être capable de se reconnaître dans le miroir et après un certain nombre de jeux où on se fait signe, on s'observe, on regarde effectivement que les mouvements sont les mêmes, de tout d'un coup voir que c'est soi et pas un autre. Il se trouve que dans certains textes, donc Fanon présente son analyse du stade du miroir dans les écrits, mais aussi en fait dans des encyclopédies auxquelles il a participé, que cite Fanon, Lacan insiste sur aussi parfois le rôle des parents, c'est-à-dire qui rendent l'enfant attentif au fait que c'est lui dans le miroir, c'est-à-dire parfois que la parole des adultes, ce qui est le domaine pour lui du symbolique, remplit un rôle important pour une identification qui est de l'ordre de l'imaginaire, parce que ce qu'on a dans le miroir, c'est effectivement une certaine image, c'est pas directement le fait de se voir soi-même, d'être tourné en fait vers son corps et de se baser sur la proprioception, c'est une certaine image. Et il considère qu'en fait le sentiment de l'unité du corps, le sentiment donc de l'individualité, va dépendre donc de cette identification imaginaire qui est elle-même portée ou suscitée en fait par une sorte d'invitation symbolique puisque les parents parlent. Alors Fanon donc accorde le fait que quelque chose de central dans la constitution de l'image de soi vient de la perception du corps et vient d'ailleurs du fait que autrui parle du corps. Sauf que,
tient à nouveau à compliquer, complexifier le dispositif lacanien, en considérant qu'en fait, dans un contexte comme celui des Antilles, eh bien, en fait, ce n'est pas forcément les parents qui précipitent la formation de l'image de soi, qui déterminent le rapport en fait, à l'image du corps dans le miroir. En fait, la question, c'est qui est l'autre, qui est en fait le grand autre dont le rôle est déterminant. Et cela pour Fanon peut dépendre en fait de la situation de pouvoir. Je cite une note qui est page 157. Il y aurait certainement intérêt, en s'appuyant sur la notion lacanienne de stade du miroir, à se demander dans quelle mesure l'imago est édifié chez le jeune blanc, etc., ou d'ailleurs chez le jeune noir. Et il dit qu'en fait, pour les blancs, là, c'est aux blancs qui s'intéressent cette fois-ci, eh bien, il ne fait pas de doute que le véritable autrui du blanc est et demeure le noir, et inversement. Seulement, pour le plan autrui est perçu sur le plan de l'image corporelle absolument comme le non-moi, c'est-à-dire le non-identifiable, le non-assimilable. Et nous avons montré pour le noir que les réalités historiques et économiques entraient en ligne de compte. Il se trouve que Fanon considère que se reconnaître dans le miroir, c'est pas simplement, du coup, effectivement, pour un enfant, commencer à comprendre que c'est son corps, mais c'est aussi, assez rapidement, voire immédiatement, aussi apprendre à distinguer son corps, en fait, d'autres corps et de types de corps. Ça peut être, alors, il n'insiste pas sur le fait que ça peut être se reconnaître, d'ailleurs, comme un garçon, comme une fille, mais en tout cas, pour lui, c'est assez vite aussi apprendre à se reconnaître comme blanc, comme noir, et cette fois-ci, en lien, d'ailleurs, aussi avec des types de paroles, et donc, en fait, une présence du symbolique qui est beaucoup plus vaste que simplement la parole parentale. À cette occasion, il remarque que la formation de l'image du corps chez les personnes noires se fait parfois de façon neutre, c'est-à-dire sans rapport à la couleur, sans que la couleur soit centrale en fait dans l'image infantile, et qu'en fait elle le devient parfois dans un second temps, ou alors parfois le statut de la couleur en fait dans l'image de soi peut se trouver aussi dévié ou neutralisé par les invitations à s'identifier à des héros blancs, par exemple dans les récits, les contes, les hebdomadaires, etc. Donc que plusieurs destins sont possibles. De sorte que, tout comme j'avais dit au départ que Fanon se défie des descriptions qui sont trop universelles, de l'anthropologie qui est trop générale, en fait, pour parler des mécanismes de formation d'image du corps chez l'enfant, il considère aussi qu'il y a quelque chose qui est trop général quand... excusez-moi, j'ai pas d'écran. Je ne vous vois plus. Oui, c'est bon. Mon écran qui s'est éteint. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui est aussi trop général dans le fait de repérer un dispositif qui serait, en fait, le même, où, en fait, les personnages centraux seraient à peu près les mêmes, c'est-à-dire, effectivement, l'enfant, les parents. C'est-à-dire que le rapport entre l'identification imaginaire, le rapport, en fait, au miroir, le rapport au discours, tout ça, on va avoir, effectivement, toute une série de déclinaisons variés et dont les déterminants sont parfois effectivement beaucoup plus collectifs que simplement intra-familiaux. Fanon considère que lorsque l'on cherche à comprendre et analyser certains troubles ou certaines névroses, qui conservent en fait ces termes, parfois on doit le psychologue, le psychanalyste doit envisager que les facteurs ne soient pas en fait individuels, mais qu'il puisse y avoir des déterminants collectifs qui en fait ont rejailli sur le psychisme du patient, et peut-être d'ailleurs dans certains cas inviter l'analysant à
à travailler en fait cette dimension-là de son existence. C'est-à-dire à travailler à ne pas faire que l'analysant se considère seulement comme une personne avec une trajectoire individuelle, mais aussi comme en fait membre de groupe, comme en fait ayant un certain statut social, une certaine situation sociale, et ayant affaire en fait à la diffusion d'inégalités et de violences plus larges dans cette situation. Dans des moments qui sont effectivement de réflexion méthodologique, Fanon considère que une des révolutions que Freud a portées à la fin du 19e siècle, ça a été de demander qu'on tienne compte du facteur individuel dans l'analyse en fait, des névroses, par exemple, en considérant qu'il n'y avait pas simplement effectivement des facteurs constitutionnels, soit qui viendraient en fait d'un milieu, soit en fait qui viendraient par exemple de déterminants innés, corporels, héréditaires, etc. Je le cite, il dit qu'en fait Freud a substitué la perspective ontogénétique à une thèse phylogénétique. La perspective ontogénétique, c'est celle qui est donc centrée sur le développement individuel, tandis que la thèse phylogénétique, c'est celle qui se concentre sur les facteurs héréditaires constitutionnels. Sauf que lui ajoute qu'à côté de la phylogénie et de l'ontogénie, il y a la sociogénie. Et que, en fait, le type de diagnostic qu'il s'agit de développer, ce sont des diagnostics qu'il appelle des sociodiagnostics, dans certains cas. Donc, il forge ce concept de sociodiagnostic. Et là aussi, discutant Lacan, ailleurs dans le texte, cette fois-ci, c'est page 78, le texte que je viens de citer, c'est dans l'introduction, page 78, il considère que la structure névrotique d'un individu, eh bien, elle peut dépendre de nœuds conflictuels qui impliquent vraiment le milieu. Le milieu, cette fois-ci, chez Fanon, c'est la structure au sens où je l'ai défini au départ. Mais il faut prendre aussi en compte la manière toute personnelle dont un individu peut réagir à l'influence du milieu. Donc, c'est ce qui fait que pour Fanon, disons, la psychologie ou la psychanalyse ne se trouve pas dissoute dans l'analyse politique ou dans une réflexion en fait socio-historique, parce qu'en fait, il faut réintroduire une dimension de socio-histoire dans la compréhension de l'individuel, mais en même temps, il faut comprendre la manière dont l'individu peut avoir une manière en fait originale, personnel, en fonction de sa trajectoire, de réagir en fait à l'influence du milieu. Et c'est parce qu'il a en fait cette prise, qu'on peut dire dialectique, que Fanon tient à associer donc psychanalyse et analyse matérialiste ou socio-histoire, et qui dit voilà, on doit faire des socio-diagnostics, c'est pas simplement de la sociologie, pas simplement des diagnostics psychologiques, mais vraiment des socio-diagnostics dans certains cas. D'ailleurs, dans de nombreux cas. On peut dire pour lui certainement dans la plupart de ceux qui concernent ses patients. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite sur la fin. Enfin, si jamais à un moment je parle trop, ça va, n'hésite pas à me faire signe. Je pense, du moins j'espère qu'on aura beaucoup de questions, et puis si on n'en a pas du public, moi je mais non, tu là, tu as encore 10 minutes si tu veux, au moins 10 minutes. D'accord, bon, je n'aurai pas le temps de te dire, mais je vais essayer de faire bon, alors il se trouve que Fanon sur cette base, non mais vas-y, de toute façon en fait ton propos est plus intéressant que les, vas-y, non mais de toute façon sinon je profiterai des questions pour développer peut-être des points que j'aurais laissé de côté. Répondre en fait à la situation psychique, la situation en fait aussi
personnelle, la situation vécue qui peut être celle des personnes noires en particulier, mais bon, de manière plus large, on pourrait dire, on s'intéresse aussi hein, aux personnes arabes, aux personnes juives, il les évoque, hein, et toutes les personnes qui peuvent vivre en fait une situation de violence ou en fait un racisme structurel, bien, il considère qu'il y a donc des changements à opérer bien dans la pratique psychanalytique, mais aussi des transformations du monde qui doivent accompagner en fait la pratique psychologique ou psychanalytique. Au fond, la clinique ne se suffit pas. C'est ça en fait une chose, une de ses thèses majeures. C'est pour ça que en fait sa réflexion se fait souvent politique pour les perspectives d'action, en même temps qu'elle demeure psychologique et parfois philosophique. Donc Fanon n'est pas un pessimiste, hein. Il considère que en fournissant, je le cite, une interprétation psychanalytique du problème noir ou de la situation noire, etc., eh bien, et en mettant au jour des édifices complexuels, il reste qu'on peut travailler à faire que l'individu puisse pleinement assumer ce qu'il appelle la condition humaine. En fait, Fanon ne liquide pas à tous égards l'universalisme, il revendique par moment cette notion quand il le fait, mais c'est aussi un universalisme prospectif, c'est-à-dire que c'est justement en travaillant à combattre très nettement, y compris parfois d'ailleurs par un engagement pratique, hein, y compris avec les armes, comme en fait il le soutenait en Algérie, des situations en fait inégalitaires, violentes, que en fait eh bien on peut pleinement travailler en faveur de la condition humaine et de ce qu'elle pourrait avoir d'universel. Donc en partant en fait de réflexions qui sont parfois psychologiques, eh bien il faut parfois travailler aussi dans le cadre de la clinique à aider donc à une prise de conscience, je le cite, des réalités économiques et sociales. Il considère en fait que certaines souffrances, certains vécus et certaines manières de se rapporter à soi, eh bien, peuvent davantage être transformées ou autant être transformées par un travail personnel sur son histoire, donc en fait quelque chose qui relèverait de la talking cure, un peu tel que Freud l'a pensé. Il faut qu'il y ait ça, mais il faut aussi que, dans certains cas, il y ait tout simplement un travail d'engagement des patients pour transformer la réalité économique et sociale devenue davantage consciente. Je le cite, page 12, « Il n'y aura pas d'authentique désaliénation ou seulement dans la mesure où les choses au sens le plus matérialiste auront repris leur place. » Et donc, ce n'est pas un hasard si Fanon cite Marx en considérant qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de connaître la situation et de voir quels sont ses effets complexuels, il s'agit aussi de transformer le monde et que cela peut être aussi, à ses yeux, bon, c'est vraiment une thèse de politisation, hein, vraiment de la clinique, hein, qui est celle de Fanon, ça peut être aussi pour lui le rôle donc, d'un analyste ou d'un psychologue, que de faire apparaître que certains arsenaux complexuels, certaines difficultés personnelles, en fait, ont germé à partir d'une situation politique, par exemple une situation coloniale, et d'appeler aussi de faire apparaître que c'est la transformation de cette situation qui peut aussi aider à ce qu'il appelle la lyse des troubles, en fait, leur suppression. Donc, il considère que, par exemple, pour ceux de ces patients qui en fait viennent se rêver comme personne blanche, etc. Bon, ben, il dit voilà, dans ce genre de cas où il faut typiquement une nécessité d'action couplée sur l'individu et sur le groupe et d'une certaine manière orienter l'individu à agir aussi dans un sens plus collectif. Je le cite. Là, cette fois-ci, il se présente comme psychanalyste. En tant que psychanalyste,
je dois aider mon client à conscientiser son inconscient, à ne plus tenter une lactification hallucinatoire, donc là on est en plein dans la question de l'image du corps, mais bien à agir dans le sens d'un changement des structures sociales. Bon. C'est une thèse effectivement forte et originale, c'est-à-dire que pour lui, agir sur la manière dont le corps lui-même est vécu et perçu sur l'image du corps du patient, ce n'est pas simplement effectivement le renvoyer aux scènes, à l'enfance, etc., mais ça peut être aussi l'aider à ne plus désirer être blanc et se faisant en fait à essayer d'agir sur les résidus racistes de la société ou la structure raciste de la société. Et Fanon soutient que ce qui peut aussi transformer les vécus et les images qui mettent en jeu le corps, au-delà effectivement de cet engagement dans l'action, c'est aussi le fait de chercher dans des traditions culturelles noires, ou en fait dans la littérature contemporaine et en fait les productions culturelles contemporaines noires, des moyens aussi de renommer, redire le corps. Et donc un passage assez long, plusieurs passages de Peau noire, masque blanc, sont un dialogue avec Senghor, avec Césaire ou avec d'autres auteurs contemporains noirs qui suggèrent en fait de se réapproprier certaines, enfin de se réapproprier sa corporealité en trouvant en fait aussi la couleur noire du côté de la terre, du côté du cosmos, etc. Il y a un travail en fait poétique qui accompagne en fait le travail politique de Fanon. Je vous cite par exemple la page 43 où donc là Fanon prend directement la parole. Il dit « Je suis noir, je réalise une fusion totale avec le monde, une compréhension sympathique de la terre. Et si je suis noir, ce n'est pas à la suite d'une malédiction, c'est parce que, ayant tendu ma peau, j'ai pu capter toutes les effluves cosmiques. Je suis véritablement une goutte de soleil sur la Terre. » Et je pense que je vais m'arrêter là, mais je veux simplement vous évoquer qu'il y a vraiment dans Peau noire, masque blanc, toute une traversée littéraire où Fanon montre comment pour lui, en fait, aussi un autre langage, un autre discours, un autre imaginaire a été en fait le support d'une nouvelle appropriation imaginaire de son corps et d'une transformation effectivement de l'image de soi qui lui était proposée et qu'il a pu en fait absolument repousser parce que là encore le rapport entre l'imaginaire et le symbolique, on pourrait dire pour lui elle est capitale, mais elle ne peut pas se produire sans d'autre part une forme d'engagement et d'action politique. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup à toi, Raphaël. Merci de nous avoir donné à ce point l'image dans Peau noire, masque blanc. C'est vrai que tu as déployé toute la question autour de l'image comme ça, et j'ai l'impression d'avoir réentendu tous les motifs et dans des analyses, dans un examen. Et c'est génial d'avoir une lecture comme ça qui vraiment nous fait entendre l'image par Fanon, et c'était absolument passionnant. J'ai plein de questions. Préparez dans le public les questions que vous avez, soit que vous vouliez les poser en levant la main, etc., ou juste en prenant la parole, on peut faire ça de manière assez simple, soit que vous les écriviez sur le chat, ce qui me va tout à fait. Alors j'ai plein de questions, j'en laisse certaines pour peut-être la fin ou dans notre temps après des questions du public. Juste une première question un petit peu d'office. Ce qui est En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, ces questions, chez Sartre, de la question de la honte et de l'aliénation par le regard d'autrui, et chez Lacan, du fait que le rapport à son image est toujours médié par le symbolique,
On pourrait de fait dire que ça vaut pour à peu près n'importe quelle assignation, l'assignation de Genet à la situation du voyou, l'assignation en statut social, etc. À cela près que l'épidermisation rend visible constamment cette assignation. C'est-à-dire que, à la limite, même si papa, maman et ma société proche m'a toujours traité comme un voyou, en changeant de pays, peut-être puis-je me réinventer puisque ça n'est pas écrit dans mon visible, ça n'est pas signifié par ma visibilité. Et à la limite, les cas où l'assignation est signifiée par la visibilité, l'assignation où voilà, où là, où juste une détermination spécifique est signifiée par la visibilité, ça va être effectivement des cas où c'est la couleur de peau, peut-être des cas de handicap physique ou la question du genre. Qui sont donc différents d'autres formes de prise de réduction par l'autre à un signifiant ou d'aliénation puisque c'est exprimé par la visibilité. Et en fait, à partir de là, ma question à Fanon, et donc comme je ne peux pas l'adresser à Fanon, à toi pour l'adresser à Fanon, c'est est-ce que la critique qu'il va adresser à Sartre et à Lacan, etc., en disant « non, il est possible de sortir de l'aliénation », elle se construit par rapport au fait qu'on parle de deux aliénations différentes qui ne sont pas sur un continuum de degrés, c'est-à-dire qu'il y a des assignations par autrui qui ne vont pas s'inscrire dans la visibilité, et pire, il y a les assignations par autrui qui s'inscrivent dans la visibilité, ou est-ce que c'est vraiment deux modalités différentes, dont peut-être une, celle qui se construit dans la visibilité, elle est susceptible d'être travaillée. C'est-à-dire que quand il dit que non, on n'est pas condamné à l'aliénation, est-ce que c'est on n'est pas condamné à l'aliénation parce qu'il est visible ou on n'est pas condamné à n'importe quel type d'aliénation dans le pour autrui? D'accord, merci. Alors, je vais essayer de répondre de manière brève, comme ça il y aura la place pour d'autres questions. D'abord, je pense que c'est juste important de dire que ce qui fait que l'assignation a une place a pour support la manière dont on est en fait très directement vu pour sa couleur de peau dans un cadre raciste. Ça ne veut pas dire que les choses ne pourraient pas être radicalement différentes au sens où, je ne sais pas moi, dans une société où la couleur de peau, enfin disons un certain éventail de couleurs de peau n'est pas une question et en fait n'est pas associée à des stéréotypes forts ou effectivement à une assignation. Bon, ben, du coup, effectivement, les gens voient que on a la peau qu'on a, mais je veux dire, n'y réagissent pas, ça n'y attache pas précisément de signification. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans une société comme la France métropolitaine, où en fait la majorité de la population est blanche et où en fait existe encore des formes d'agression raciste, de prise de parole, etc. Bon, ben là, effectivement, la peau, elle conduit effectivement à des phénomènes qu'il appelle d'épidermisation de la situation sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, la couleur de peau entraîne ça, forcément. Bon, donc, c'est juste que... Bah oui, c'est-à-dire que dans une société blanche, c'est très compliqué d'échapper en fait au racisme. Tout comme on pourrait dire, je ne sais pas, quand on est une femme avec en fait des marqueurs physiologiques de différences forts, c'est que c'est compliqué aussi d'échapper au sexisme. Bon, là il y aurait peut-être effectivement une analogie partielle qui pourrait être menée. Donc les personnes trans, en fait, qui disent, voilà, ça peut être difficile, suivant la dimension de passing qu'on a plus ou moins d'échapper, effectivement, à la transphobie. Bon, donc voilà, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est en quel sens on peut échapper à l'aliénation? En fait, on peut y échapper dans la mesure où, en fait, les structures, d'ailleurs, matérielles, en fait, militaires, économiques, etc., qui... portent et sont solidaires en fait des violences racistes sont supprimées. C'est pour ça qu'en fait Fanon était très clairement un révolutionnaire. Il considérait que c'est possible de supprimer les inégalités, c'est possible en fait d'agir
en un sens de transformation sociale qui fait que la couleur ne serait plus une question. De même qu'on et on pourrait dire, bon, on pourrait suggérer si effectivement... bon, ensuite la question c'est exactement comment on fait, mais voilà, le début et la fin de l'ouvrage vont vraiment dans ce sens. Hein. Enfin, on dit qu'il y a des moments de profession de foi où il dit qu'en fait il croit à la compréhension des hommes, que pour lui en fait blanc et noir en fait sont des frères, etc. Il dit voilà, qu'il croit en l'homme, qu'il croit en l'amour, etc. Et que là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il dit aussi néanmoins que l'amour. Par exemple, que ce soit entre un homme et une femme, ou en fait un amour entre blanc et noir, eh bien, a quand même des conditions matérielles d'existence. Il dit voilà, donc échapper à l'aliénation, ça ne suppose pas simplement, disons, une sorte de devenir personnel, de travail sur soi, etc. Ça suppose vraiment hein, une transformation du monde. C'est-à-dire, en fait, c'est quand la société sera plus raciste que là, il y aura vraiment un échappement à l'aliénation. Et d'ailleurs, que aussi à ses yeux, les blancs échapperont aussi aux problèmes que leur pose leur narcissisme lié en fait à leurs privilèges, etc., etc. Et donc l'aliénation est toujours déterminée par des conditions sociopolitiques. Elle n'est pas quelque chose qui se joue au niveau phénoméntologique. Bah, peut-être qu'elle se jouerait à un niveau Enfin, c'est une question. C'est-à-dire que en tout cas, telle qu'elle existe, et c'est ça ce qui intéresse Fanon. C'est-à-dire que Fanon n'a pas de niveau d'analyse où il se demande effectivement ce que serait l'aliénation dans une société où elle ne serait pas associée, disons par exemple, à des inégalités de genre, de sexe, de race, etc. Il ne se pose pas cette question. C'est-à-dire qu'en tout, pour lui, en tout cas, l'aliénation effective, elle dépend du pouvoir. D'accord. Alors ensuite, bon, il y a toujours la question de savoir une société sans racisme, sans sexisme, etc. Bon, est-ce qu'il y aurait des phénomènes d'aliénation? Possiblement, hein, possiblement. Déjà, le simple fait qu'on soit à un moment donné enfant et qu'on dépend du regard de ceux qui sont plus âgés, ça, on peut penser qu'il y aurait quand même des phénomènes qui subsisteraient. Mais pour lui, en tout cas, les plus prégnants, les plus pathogènes, les plus... générateur de souffrance, hein, ben, c'est les phénomènes d'aliénation qui sont liés au rapport de pouvoir. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Camille Ferret, une collègue donc, qui nous a quittés, mais qui a laissé une... parce qu'elle devait partir, mais qui a laissé une question dans le chat. Donc, Camille Ferret nous dit « Merci infiniment pour cette présentation. Je me demandais si Fanon avait théorisé le rôle de la représentation politique dans la construction de l'image de soi. » et de la représentation spécifique de groupes opprimés, notamment du coup comme instrument éventuel d'émancipation ou comme horizon normatif, une représentation pluraliste étant une condition d'image de soi non aliénante pour les divers groupes sociaux. Voilà, elle est dans le, si tu veux la relire, puisque alors, c'est une question à tiroir, elle est dans le chat. Je l'ai lu, c'est simplement que je ne suis pas totalement certain de comprendre malheureusement quel est le sens de la représentation politique. Est-ce que, parce que je crois que Madame Ferré est toujours là, en tout cas, ah oui, semblerait. Est-ce que par représentation politique, vous voulez dire le fait de se retrouver représenté, par exemple, à l'Assemblée nationale? Bon, alors... est-ce que tu es là? Oui, elle veut dire... Elle parle de représentation à l'Assemblée nationale. D'accord, merci beaucoup. Mon micro ne fonctionne pas. D'accord, merci beaucoup. Je vocalise tout pour ceux qui regardent avec la captation et qui n'auront pas le chat. Hein, c'est pour ça que je lis. En fait, j'aurais peur de dire des bêtises parce que il y a peut-être effectivement, il est possible qu'il y ait des textes où on en parle parce qu'en fait l'œuvre de Fanon est quand même beaucoup plus riche et là. Que ce que j'évoque, et je n'ai pas absolument tout lu récemment, mais j'ai le sentiment, donc dans les textes qui me viennent à l'esprit, que Fanon, disons, voit qu'il y a des effets du défaut ou de l'absence de représentation politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une des choses qui manifeste et marque quand même en fait, une distribution inégale d'avantages et de pouvoir en fait, dans une société donnée. Pour autant, je n'ai pas le souvenir... qu'il considère qu'en fait la représentation politique serait vraiment un vecteur
directe de construction de l'image de soi, mais enfin, je ne vois pas pourquoi il l'exclurait forcément non plus. En tout cas, je pense qu'il considérait que si ça peut avoir un effet, et ça pourrait être important, je pense qu'il dirait aussi que ce serait probablement insuffisant, parce qu'il met l'accent sur tellement de lieux, c'est-à-dire en fait la question des supports culturels d'identification, la question de l'éducation, la question en fait aussi des rapports matériels, c'est-à-dire en fait aussi des rapports économiques, que la représentation, disons, ça pourrait être peut-être un angle, mais je ne pense pas que ce soit de loin le seul. Et il se trouve que, par ailleurs, il insiste aussi sur le fait que parfois, la reconstruction de l'image de soi passe plus par la lutte que par le vote. Donc, il y a quand même sa réflexion. Bon, alors ensuite, ça dépend des contextes, parce qu'il a quand même une analyse assez fine des contextes. Dans le contexte algérien, il considérait bon, bah, que, de toute façon, les volontés réformistes n'ayant pas été écoutées et prises en compte, et puis ça lui semble non accidentel, les massacres ayant eu lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui touchaient en fait aussi des voies réformistes, c'est-à-dire qu'en gros, pour lui, le massacre de Sétif, notamment, en fait, hein, ça, c'était une réponse à des manifestations qui demandaient des choses relativement pacifiques et qui auraient pu peut-être, en tout cas aux yeux de certains organisateurs, donner lieu à des formes de représentation. Bah, lui dit voilà, ça marche pas. De temps en temps, dans un contexte comme l'Algérie, effectivement, il fallait une lutte violente plutôt pour transformer, pour disons effectivement le rapport à soi, hein, vraiment la réappropriation de soi passée à ce moment-là par la lutte armée. Aux Antilles, ils considèrent que ça a été aussi. Bon, là aussi, c'est complexe parce que à la fin de Peau noire, masque blanc, il a l'air de comprendre l'histoire antillaise un peu à la manière dont Schœlcher l'a présentée. C'est-à-dire qu'il a l'air de considérer qu'en fait, les luttes armées, les soulèvements d'esclaves auraient rempli un rôle faible, voire inexistant, dans l'abolition de l'esclavage de 1848, ce qui là aussi ne va pas de soi historiquement, mais enfin disons que, à ses yeux, c'est un drame de l'histoire antillaise que la fin de l'esclavage n'ait pas été acquise au terme d'une lutte. Bon, donc tout ça pour dire que je ne pense pas que... Je fais des hypothèses, mais... J'ai l'impression que Fanon, tout en voyant bien les effets négatifs de l'absence de représentation politique, n'a pas l'air de considérer que c'est un peu la panacée pour la reconstruction de l'image de soi. Pour moi, ce que je peux en dire, pas vraiment en parlant pour Fanon, c'est que même si, bon, alors à titre personnel, je pense que la représentation, dans le sens dans lequel tu l'emploies, Camille, est une très très bonne chose, ça ne peut pas opérer si c'est ponctuel. C'est-à-dire que, en fait, si le député noir est tout seul, en fait, il est vu via un regard blanc par n'importe qui, y compris dans la façon dont le dit Fanon, quand il parle voilà, des identifications des enfants à des personnages blancs, etc., eh bien, la personne noire, même en position de député, va être recouverte par le regard blanc et donc vue recouverte par ce filtre de racisme colonial. Et pour donner une vignette clinique avec les enfants, c'est toujours intéressant de situer au niveau des enfants. J'ai un ami psychanalyste qui me disait que, donc en fait, dans les CMPP ou les CMP, on a des poupons, des petits bébés, et de beaucoup de couleurs différentes. Deux, trois, quatre couleurs différentes. Et en fait, les enfants racisés, vont choisir des poupons blancs, quasi systématiquement. C'est très rare qu'ils se saisissent d'un poupon de leur couleur de peau à eux. Ils vont choisir le poupon blanc aussi. Donc oui, c'est une bonne chose de mettre dans les CMPP des poupons qui représentent, avec des couleurs de peau qui représentent la diversité des couleurs de peau qu'on a dans la patientèle des CMPP dans France métropolitaine, mais ça ne peut pas suffire de manière ponctuelle. Mais ponctuel, c'est toujours recouvert par un regard. Et si le reste du discours est dominant, ça, c'est certainement pas un élément ponctuel sur lequel s'approchera toute la transformation. En fait, moi, si jamais je peux dire quelque chose de plus personnel, à mon avis, voilà, même si bon, voilà, je ne peux pas faire parler Fanon. Mais en fait, le problème de la question de la représentation politique aussi, c'est qu'en fait, elle est une concentration de la question de l'égalité sur un lieu qui est vraiment
qui est évidemment très important puisque c'est un lieu de pouvoir, mais qui est quand même un lieu limité. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est aussi quels sont les statuts, quelles sont en fait les chances professionnelles en fait de toutes les personnes noires dans l'ensemble d'une société. C'est-à-dire, la question, c'est à tous les niveaux. En fait, c'est de dire bon ben si en fait on voit des personnes noires et des personnes blanches, je dirais dans tous les corps de métier avec en fait une forte présence. Bon, voilà, c'est la question, c'est qu'est-ce qui se passe, pas seulement du côté politique, mais par exemple du côté de l'enseignement et de la recherche, du côté du journalisme, du côté en fait des voilà, enfin des producteurs, etc. Bon, les productrices. Bon, ben, voilà, la question, elle est transversale. Elle touche en fait à tous les lieux socio-professionnels où en fait sont en jeu des privilèges, de l'argent, du pouvoir et pas simplement, disons, la représentation politique. Mais si effectivement, et le truc, c'est que dans représentation, il y a aussi l'idée que c'est pas simplement une présence, un accès. C'est bon, il y a quelqu'un qui représente et derrière, il y a effectivement beaucoup de monde. Je pense que la question, c'est vraiment celui, oui, tout simplement de l'accès. L'accès égal et en fait la présence effective, forte et large des personnes noires en fait dans tous ces lieux. Et là il y a vraiment de très très fortes mises au point par Rokhaya Diallo dans le podcast Kip Taras en fait sur ces questions-là de la représentation. Donc enfin si ça vous intéresse parce que et comme c'est l'inspiration de Fanon, elle est aussi présente dans les réflexions de Rokhaya Diallo. Bah, je pense que ça peut être intéressant d'aller écouter.